Ah, c'est différent, mais elle est aussi grande, et puis c'est l'aboutissement quand même, même si la saison n'est pas terminée et qu'on veut aller chercher le titre, cette montée, voilà, depuis le 23 ou 24 juin qu'on s'est préparé, on s'est préparé pour ça, donc forcément c'est une grande joie, et puis surtout le partage avec le peuple violet. Justement, qu'est-ce que vous avez ressenti au sifflet final, Philippe, avec cet envahissement de terrain, les joueurs qui sont portés en triomphe? Ouais, c'est des émotions que seul le foot, le sport peut amener. Et on a des moments difficiles, mais ces moments difficiles valent le coup d'être vécus pour connaître ça, parce qu'il y a très peu de métiers où on peut exploser comme ça. Une vraie communion avec ce public, on l'a vu en tout cas ce soir, c'était pas nouveau, hein. Mais bon, l'envahissement du terrain qui était interdit, mais c'était inévitable. Il y avait une telle ferveur. Oui, et puis déjà, quand on a appris qu'il y avait 24 000 personnes qui venaient un lundi à 20h45, c'est un truc incroyable. Donc les joueurs ont été portés, l'arrivée du bus, on a bien senti qu'il y avait une ferveur, un enthousiasme, et on savait bien que ça allait nous porter pendant tout le match. Personnellement, qu'est-ce que vous ressentez? C'est la satisfaction du job bien fait? Ouais, mais au-delà de ça, c'est vraiment une saison très particulière parce que j'ai un groupe fantastique. On est annoncé favori et on a tenu notre position dès le départ, tout au long de la saison. Donc c'est pas que le job est bien fait, ça a été très très bien fait par les joueurs qui ont été encore ce soir fantastiques, quoi. Et on va les appeler les fantastiques, mais ils font une saison incroyable. Pas seulement dans l'état d'esprit, dans l'engagement, mais aussi dans la qualité. Et on a pratiqué quand même, on monte en pratiquant un football attractif, offensif. Et tous ces petits détails, toutes ces petites couches font que ça fait une saison vraiment spéciale pour un groupe très spécial. Vous avez eu l'impression que toutes les planètes étaient un peu alignées, là, Ça a été dur, moi. Pour ça qu'avant le match, je ne voulais pas trop parler. On parlait de fête et je voulais surtout pas parler de fête parce que je savais que New York était une bonne équipe, que ça serait difficile. Et ça a été difficile, même si lorsqu'on compare les occasions concédées, les occasions qu'on a obtenues, il n'y a quand même pas photo. Mais cependant, c'était une bonne équipe qui ressortait bien le ballon. Mais on a été extrêmement concentrés et déterminés parce qu'on sait qu'on voulait à tout prix la victoire pour être monté en Ligue 1 et passer à la deuxième étape où les joueurs veulent aller chercher un titre, ils veulent ramener un titre pour le club, pour le TFC. Les anciens têtes du club, comme Deneb ou d'autres, ils ont déjà eu ça, cette ferveur-là, ce soir, cette liesse? Je ne sais pas, faudra leur demander. Ils ont continué, bon, faut pas oublier que Mika a participé à l'épopée européenne avec Naples, etc. Lui, il a démarré très jeune, mais je pense qu'on retrouve un renouveau, je pense, dans le peuple violet. Qui se retrouve dans cette équipe et qui nous a soutenus tout le long de la saison. On a démarré, je le dis, mais avec 5 000 spectateurs contre Ajaccio. Et puis là, on finit avec des audiences, une ferveur incroyable. Et puis on voit des jeunes, on voit des jeunes filles, on voit des familles, on voit tout. Et ça, c'est le plus grand bonheur pour nous tous. Ça donne envie de prolonger ça en Ligue 1, je suppose. Ça sera une autre affaire. Le plus dur commence, je pense. La Ligue 1, c'est autre chose. On va savourer là. On a 3 matchs à préparer pour gagner le titre. Mais le plus dur commence en Ligue 1. Mais c'est des difficultés qu'on a souhaitées et qu'on est content d'aborder. C'était comment dans l'estière? On est tous réunis. Ouais, c'était plutôt calme. Non, je déconne. Non, c'est de la folie avec le président, avec tout le monde, puis le staff technique, le staff médical, à la vidéo, data, tous ceux qui ont travaillé autour des joueurs. Et on avait vraiment une bonne atmosphère de travail tout le long de l'année. Et je pense que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice et chaque maillon était important. Et les joueurs l'ont senti, ils ont toujours été soutenus et puis ils ont été récompensés. Ben, on ne sait pas trop encore. L'adducteur, on ne sait pas si c'est méchant, si c'est. On passera les examens, mais j'espère que ce n'est pas trop grave parce qu'il faut qu'il reste avec nous jusqu'à la fin de saison. Une dernière question? Il y a eu un match ce soir, Philippe, pour Tonnerre. Oui. Comment ça a été si simple que ça? Non, ça n'a pas été si simple parce que Niort avait vraiment une bonne maîtrise collective de derrière. Il ressortait bien le ballon, il suivait bien les intervalles. Mais. Si on regarde quand même les occasions, les arrêts de leurs gardiens,
nombre de corners et les arrêts de notre gardien, je pense qu'on mérite largement la victoire. Mais ça n'a pas été simple parce que, je l'avais dit avant le match, c'est vraiment une bonne équipe qui est venue ici sans pression avec des jeunes pour jouer. Et il faut les féliciter aussi parce qu'ils sont venus, contrairement à d'autres équipes, pas pour défendre mais pour jouer. Et ça a donné, je pense, un match agréable. Nous, on était tendus tant qu'on était 1-0 parce qu'on voyait bien qu'on attendait le deuxième but pour être libérés. Et un missile de Branco et la tête d'Ado nous a libérés.